FAC, Fédération des organisations avant-gardistes, combattantes, voulait non seulement dénoncer et contester la décision qui était prise hier dans le Conseil des ministres qui était gagné, sous influence certains membres de la CPTA pour mettre à l'écart le secteur droits humains qui est représenté par M. Gédéon Jean dans la formation du Conseil électoral. Une élection faite sans contestation. Les gens qui ont pour habilité de contester l'élection, ces électeurs, ils n'ont pas contesté. C'était candidat, ils n'ont pas contesté. Ça veut dire que son élection était faite dans la transparence. Je dis à nous chercher à comprendre et qu'on ait sans décision ça. Sous qui base, ils mettaient le secteur droits humains à l'écart de conseil électoral. Et ça, je ne j'ai dit à montrer nous que pays sont équipe dément politique qui a dirigé. FAC, avec ensemble, organisation qui regroupe lui. Tant que RDNH, INIBAS, correct, pour ne citer ça seulement, vous jeter bien loin décision ça. Et nous demandé pressé pour gouvernement tourner sous décision et ressaisir. Parce que nous voulons comprendre que décision ça sont décisions qui prend pour aller faire coquin, pour aller organiser élection mi ou mi bas, pour aller organiser élection sans queue sans tête. Eh bien, nous avons crié haut et fort pour nous dire que nous ne prenons pas l'élection Malachuang encore. Car il ne peut pas former acceptement parce que l'article constitution, l'article 2, 89 constitution dit ou pas qu'à changer secteur par secteur. Accord 3 avril qui te mette au monsieur là, clair, dans l'article 31.1 dit qu'il y a ça doit fait. Je dis à monsieur ou pas qu'à d'accord pour mettre le secteur droits humains qui est représenté légitimement par M. Gédéon Jean de la formation conseil électoral. Nous disons non, quand ça pas passé, nous pas d'accord. Et nous boumé, nous travaillons parce que faut nous aller vers une élection libre, honnête et démocratique.